Je suis Aurélien Deschâtre, chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne. Je coordonne le réseau GRU France, donc au niveau national. Cette année, nous avons observé, donc le 11 octobre 2014, 206 000 grues ont été comptabilisées sur le lac du Der, ce qui est un record historique, puisque le précédent record européen était détenu en Hongrie, sur un site hongrois de 135 000, donc le record est pulvérisé. Ça fait du site lac du Der un espace très important pour la grue cendrée, puisque forcément, autant d'oiseaux au même endroit, au même moment, c'est très impressionnant. Pourquoi on a eu ce phénomène d'accumulation? Tout simplement parce qu'au mois d'octobre, donc, nous étions dans un flux de sud permanent, même début novembre. Et donc les oiseaux ont eu tendance à prendre leur temps pour partir d'Allemagne, leur précédente étape. Et donc elles sont toutes arrivées en même temps, puisqu'elles ont décidé de partir toutes en même temps. Au lac du Der, les vents étaient également au sud. Et donc des oiseaux arrivés d'Allemagne, aucune ne partait du lac du Der. Et donc on a eu ce phénomène d'accumulation.
La LPO Champagne-Ardenne est implantée, donc les bureaux de l'association régionale sont implantés juste à côté du lac du Der, hein, sur le bord du lac. Donc on est dans un endroit privilégié puisque ça nous permet d'accueillir donc le public de plus en plus nombreux qui vient voir les différentes espèces d'oiseaux et en particulier la grue cendrée. Donc on organise pendant toute la saison de migration de nombreuses sorties de différentes sortes pour différents publics, que ce soit scolaires mais également grand public. Nous avons également un rôle dans le suivi de la grue cendrée puisque nous organisons des comptages. C'est ce qui nous permet d'informer les médias et le public des variations d'effectifs de grue cendrée sur le lac du Der. Et enfin, on est aussi en prévention des tensions qui peuvent exister entre la grue cendrée et le monde agricole autour du lac du Der, puisque les grues peuvent éventuellement faire des dégâts dans les cultures, dans les semis de blé et d'orge. Et donc nous travaillons avec la région pour essayer de garantir une certaine prévention donc de ces dégâts pour les éviter et aussi pour les compenser.